Question. Donc, si je me trompe pas, ça fait depuis décembre que j'utilise plus de peigne pour les cheveux. Un peu bizarre de me dire que je vais plus utiliser de peigne, mais en même temps, ça m'a arrangé puisque j'ai un peu une mauvaise relation avec les peignes. J'apprends beaucoup parce que majoritairement, ça me fait très mal quand je me peigne les cheveux. Donc, au final, je me suis dit quand même que c'était bien pour moi, comme ça au moins je ne souffre plus quand je me coupe de mes cheveux. Je suis convaincue que je peux prendre soin de mes cheveux plutôt, sans avoir besoin de peigne, parce que vraiment là je n'ai pas besoin de peigner et mes cheveux sont très bien durant toute la journée. Vraiment, j'utilise mes doigts juste pour les masser ou même pour les démêler. J'ai vraiment pas besoin de peigne, de brosse ou de quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment bien. Alors, par rapport à la différence du coup au leave-in ou au chocolate et du coup le beurre de karité et l'huile de ricin, mais du coup mes cheveux, dans tous les cas, mes cheveux ils sont très bien, ils shrinkent pas et ils sont très très bien, mais par contre ils sont moins définis avec le beurre de karité du coup et avec l'huile de ricin, ils sont moins définis, ils sont moins agréables au toucher. Contrairement avec l'utilisation du leave-in et du white chocolate, vraiment, il y a vraiment une très très grande différence. Par exemple, du coup, avec l'huile de ricin et le beurre de karité, ils sont beaucoup moins souples, moins définis, moins doux, moins agréables au toucher. Mais après, ils restent quand même très bien. Mes cheveux restent quand même très bien. Voilà. Mais ils sont beaucoup mieux avec le leave-in et du coup avec le white chocolate. Par contre, ils ne shrinkent pas du tout dans tous les cas. Donc voilà.